Bon, je vais devenir brune. Chasing after good girls. Aujourd'hui, je vais me préparer avec vous et je vais devenir brune. Voilà, c'était le moment pour moi de sauter le pas. Je vous ai pas montré ça. C'est Stéphane. Stéphane Bern est chez moi. Non mais c'est pas... Non, je suis pas folle les gars, je vous promets. C'est Vincent qui m'a offert Stéphane. Et du coup Stéphane est dans ma maison. Mais j'avoue que des fois il me fait un peu bader. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui hante ma maison. C'est un peu flippant. Ça dépend de l'angle, mais t'as certains angles comme ça qui rendent le personnage si réel. Non sérieux, faut pas qu'il regarde cette vidéo. Je vais devenir brune les gars. Je vais vous avouer un truc, ok. J'ai une wig brune dans ma garde-robe depuis beaucoup trop longtemps. Et j'ai pas encore trouvé vraiment, tu vois, le contexte pour la mettre. Et je cherche des contextes à chaque fois, je me cherche des excuses. On dirait vraiment des animaux morts par contre. Eh, je pourrais vivre 24 heures avec une barbe, regarde. Oui, c'est bien. Je suis sur une triche, c'est-à-dire un niveau de triche très très intense. Tu vois, normalement, mon sourcil, il fait à peu près ça, tu vois. Et le jour, je tombais sur une photo de Kendall Jenner. Elle avait les sourcils à peu près comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit qu'il me fallait absolument ces sourcils-là. Ça faisait des petits yeux comme ça. Ce que j'ai fait est très simple, en fait. J'ai défait mon sourcil comme ça, de cette manière, j'ai monté mon sourcil ici, j'ai épilé en dessous, j'ai un peu épilé au-dessus, j'ai passé un coup de ciseau. J'ai commencé jour après jour à épiler mes sourcils. Je triche un peu. Je mets mon crayon un peu plus en bas. J'espère que vous appréciez les bruitages. Comme je vais devenir brune, je vais essayer de me faire des sourcils qui font un peu plus de sens avec le fait d'être brune. Genre, je vais me faire des sourcils un peu plus foncés. Tadam! Bon, ça fait un énorme chocovanie avec mes cheveux, mais waouh, c'est tellement professionnel cet effet. Là, comme ça, vous pouvez le voir sous tous les angles. Donc voilà. Oh my god, j'ai trouvé un truc de fou, il faut que je vous montre. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. Ça, c'est une merveille. Tu mets ton fond de teint, tu fais ta vie, et ensuite, tu mets ça. Ça, c'est pour camoufler les cernes. Ça, c'est un correcteur. Ça, c'est pour les petites veines bleues. Ça, blablabla. La magie est possible. Ici, on dirait qu'on voit tout l'intérieur de mon corps. Et t'as même un petit truc comme ça pour faire ton contouring. Si t'arrives à faire ton contouring, pas comme moi. Toujours très très aléatoire avec moi. En fait, souvent, ça rend vraiment bien dans le miroir ou la caméra. Puis tu vas dans la rue et là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Je pense que j'ai pas l'air d'un gâteau, non? Quand tu te mouches l'hiver toutes les 2 secondes, tu mets ça ici. Et tu as l'air en bonne santé. Alors qu'en fait, intérieurement, tes anticorps luttent et tu es proche de la mort. À chaque fois que je me maquille, je dois me concentrer pour me souvenir des étapes. J'apprends, j'ai l'impression d'être super forte pendant 2 semaines, 1 mois. Puis ensuite j'oublie et je fais à nouveau n'importe quoi. On dirait que c'est jamais acquis pour moi ces compétences de maquillage. Puis on dirait que chaque année, il y a une nouvelle étape qui s'ajoute. Donc à un moment donné, tous les gens qui font du make-up, qui vont me regarder, vont trouver ça ridicule. Moi c'est toujours un peu abstrait. On va devenir brune les gars. On va tous devenir brune en même temps. Petit make-up de brune, petit outfit de brune. J'ai essayé de faire un look complet. Avant ça, il faut que je choisisse mes cheveux. J'ai le choix entre la brune à franges et la brune sans franges. C'est... On se doutait de la chute un petit peu. Tadam! Cleaning out my closet. And empty without me. So come on, babes, come on, let's. Vous avez reconnu Eminem ou pas? Franchement, je l'imite super bien. Donc ceux qui n'ont pas reconnu, comme... Oh, mais deux mondes franges en fait. On est sur une brune foncée, une brune claire. Je pense que ce qui irait mieux avec ma carnation, c'est peut-être le plus clair, non? Attends, je ressemble à quelqu'un comme ça, non? Tu trouves pas que je ressemble à un gars de Koh-Lanta? Genre, il y en a une foncée et une claire. Je vais peut-être prendre la plus claire, non? La plus claire, c'est la meilleure qualité, non? Je sais pas, c'est la meilleure qualité. Faudrait la brûler pour savoir. Tu brûles ta oui. Ah ouais, elle était de bonne qualité. Hein. Bon, bah on va mettre elle, je pense. Mais elle a un petit dégradé de couleur, tu vois. Mais elle fait plus naturelle. Bah ça fait peut-être plus réel, ouais. Parce qu'en fait, le truc, quand t'as une peau claire comme moi et que t'es blonde de nature, parce que je suis quand même blonde foncée de nature, c'est que être brune au réveil, ça te va vraiment pas. Tu vois ce que je veux dire? 3, 2, 1. Bon, alors? C'est magnifique. C'est magnifique ou c'est horrible? Ouais, ça, c'est crédible. C'est crédible? Ouais. Mais est-ce que j'ai de la street crédibilité? Ok, on va faire un petit make-up de brune. Oh my god, c'est bizarre de me voir dans le retour comme ça. J'ai l'air genre plus sage, non? J'ai l'air plus gentil un peu. J'ai l'air plus crédible. Ouais, c'est vrai. Même... Ouais, c'est vrai. Non, que vous avez l'air plus sage. Ça va bien les trucs foncés aux brunes. Ah non, c'est rouge ça. C'est comme ça que je vais faire 50 couches de maquillage. Ça va pas du tout. Ah, c'est laid, au secours! Oh my god. Bon, on est pas mal. Le truc c'est que j'ai pas envie de maquiller trop mes yeux. J'ai pas envie de maquiller trop mes yeux parce que j'ai une frange et des gros sourcils et tout. J'ai pas envie que ça fasse too much non plus, tu vois.
Est-ce que c'est joli? Non mais je vais faire un peu de contour parce que sinon j'ai vraiment l'air d'un fantôme. Halloween continue. Je vais essayer de faire en sorte de pas avoir l'air malade. On dirait vraiment un animal de compagnie. Hein. Quand t'es brune comme ça, ça te rend encore plus lent. Ouais, de ouf. Ouais, je sais. On dirait que t'as mis Vlad le fond de teint blanc. Ouais, bah arrêtez de me clasher maintenant, peut-être quand même à un moment donné. Il faut que je me trouve une tenue. Les couleurs qui vont le mieux aux brunes, c'est quoi? Associer des teintes jaunes. Que... Hein? Jaune, le rouge, les ocres, les orangés. Les... Couleurs vives comme le vert sapin, le rouge vif, le bleu électrique ou le rose fuchsia. À éviter les teintes claires et notamment les tons pastels, les variations de beige et de blanc qui ont en fait tout ce que j'aime bien. C'est un article sur internet. Tout le monde sait qu'il faut vraiment se fier à internet dans la vie. Est-ce que j'ai un truc vert? Ouais, j'ai des trucs verts. Un truc vert, un truc vert, un truc vert. Non mais j'ai que des trucs roses. Vert. J'ai rien de vert. Je suis en recherche d'un truc vert, mais je n'ai rien de vert. Ah si, ça c'est vert. Ah mais c'est vert sapin. C'est quel... Attends, un sapin, c'est quelle nuance? Ça, ça irait parfaitement, non? Tadam! Ma tenue de brune. Et j'ai pris des petites chaussures assorties. J'hésite en général à mettre du vert quand, quand je suis blonde. Ça peut faire des teintes bizarres avec le blond. Faut vraiment bien choisir son vert. Avec mes nouveaux cheveux, ça va vraiment bien avec, je trouve. Je sais pas si ça me va bien. J'ai aucun recul sur ma propre tête. Ça, c'est... Oh, c'est magnifique, ça, des cheveux bruns. Je sais pas du tout si ça va donner quelque chose. Hey, ça a l'air cute. C'est trop romantique, c'est trop mignon. Mon petit look est terminé. En ce moment, je suis en train de me tâter à faire une frange. À chaque fois que j'ai envie de faire une frange, je la fais et après, je sais plus quoi faire. Ça finit comme ça. Ou alors, il me reste deux poils comme ça. Puis ça fait ça, genre. C'est nice. J'aime bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, peu importe la couleur de cheveux, la couleur de votre peau, de vos ongles, de vos doigts de pied, ne définit pas la personne que vous êtes. Vous êtes beau et belle comme vous êtes. N'hésitez pas à jouer avec les vêtements, les couleurs, les cheveux, les trucs. Ce qui compte, c'est d'être bien dans sa tête. Voilà mes amours, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.